Bonsoir, vous allez bien? Ouais, ouais, ouais. Vous êtes chouchou motivés pour faire des trucs avec vos mains, genre des trucs comme ça? Ouais. Ou des trucs comme ça? Ou des... Non, non, pas les... Non, ça. Messieurs, dames, bonsoir. On a été annoncés, donc on va pas vous mentir. Nous ne sommes pas les Superbus. Non, 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 même si... Non, je sais, je suis désolé. Je suis désolé, mais on a déjà eu pas mal de variétés. Alors, messieurs, dames, ce soir, en exclusivité internationale, après une tournée qui nous a conduit en Amérique du Sud, dans les Sud Balkans et dans l'univers international de la musique internationale, messieurs, dames, devant vous ce soir, Billy à la guitare. Oui, oui. Yves à la basse, oui, oui, oui. Jean-Marc à la batterie. Est-ce qu'il y a des hippies parmi vous? Oui, oui. Un ou deux hippies, oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La 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 la. Aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison, nous rêvions trop. Pour trois fois rien, à créer des jours de vent. C'est tout comme du Larzac au bord d'une rivière. Dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux qui fera l'affaire. Pour l'électricité, il n'est pas d'eau solaire. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédale. S'il fait du plus d'une heure, c'est toi qui pédale. Le premier spot de qui est tard. Le premier monopédard, 300 km. Le premier iPhone à 120 km. Les seules maturités à faire, mais ok. Elle est pas belle, la vie, ok. Et puis on le dernier dernier. La main dans ma main, la main. Oui, avec le nerf. J'aimerais plus de hippies, s'il vous plaît. Oui, ouais. Pour le dernier dernier. Ouais. La main dans la main. Avec le dernier pingouin. Et le pingouin. Si, fais-le. Ah si. Avec nos claquets à la fin, notre ville n'en a même pas les acheter. Pas il a pas pu partir avec. Vu qu'elle s'était bien trop lourde, du coup, tu les as gardés. Ça fait une anecdote super marrant à raconter. Bon, peut-être nous raconte mal. Ou c'est toi qui s'est raconté. Comme quand t'es déjà sorti de tigre, et tu t'es fait manger un doigt. Et ton doigt il a poussé, ouais, t'es comme ça. Et un barrage qui vient de craquer. Vous appelez Bernard Lavillier. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avant qu'on vienne se réveiller? Vite à plomb Bernard, il aura une idée. Et même s'il trouvera une autre jour à une petite chanson. Et les gens sont pas malheureux quand leur maison est de l'eau. En privant toute son tiègue et en filant une tongue. Un alter dans une main, de l'autre il a écrit des poèmes. Il a écrit le Coran comme un central et une poche. Mais sa personne peut prouver à part me dire. Alors, cette chanson, nous voulions la faire chanter par Jean Jaurès qui malheureusement vient de la prendre et mort. Le général de Gaulle a décliné l'invitation. Et Rock Voisine n'était pas libre. C'est pour ça qu'on a décidé de la chanter nous-mêmes. Cette chanson s'intitule Les Bourgeois. Attends. Elle est pour tous les gens comme toi avec leur appareil photo. Ouais. Qui narguent les pauvres avec leur putain d'objets de bourgeois de merde. Arrivé un moment, faut dire les choses. Alors cette chanson, elle est pour toi. T'es un peu le riche de la soirée. Alors les autres, les pauvres, vous pouvez lever le poing comme ça. Oui. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes pas contents d'être pauvres. Mais non. Merde. Les bourgeois. Je les ai vus, j'ai tout de suite compris que ça serait pas facile, la vie à chaque étape. Ils étaient là pour bien me montrer du doigt. Oh oh oh. Oh oh oh. Attends. Que tu bosses au Marineland dans le Tiba, ou bien à Téléachat, que tu triples les 3-8 à l'usine, ou bien à la Valois. Ils sont là à nous narguer avec leur putain d'appareil photo de merde.
mais qui donc? Putain, mais les bourgeois. C'est le titre, je l'ai dit avant. Oh, il fallait que je t'aime. Liberté pour trouver la force de me battre avec le comité contre ceux qui t'emprisonnent ou contre ceux qui te ligotent. Au mât du grand capital, on est de la justice sociale contre ceux qui gardent jalousement les bénéfices d'une politique séculière d'aliénation de la classe ouvrière. Oh. Autant pour moi. Les bourgeois. C'est un... Ok, d'accord, pas de problème. Mais quel est le refrain? Le refrain est assez simple. Cette chanson s'intitule Chembeman. Voilà. Alors.
Alors s'il y en a qui la connaissent, c'est hyper bien. Ceux qui ne connaissent pas, ils se mettent à côté de quelqu'un qui a l'air de savoir. Ça c'est bien. Et le refrain il fait, alors c'est assez facile, ça fait attends, hé, boulot là. Jumpy man, tu joues mal, tu joues mal, tu joues mal, 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 mal. Jumpy man, tu joues mal, tu joues mal. Et en plus, tu joues fort. Ok, alors que ceux qui la connaissent, qui se sentent un peu isolés, eh bien, oui, oui, ouvrez votre cœur, faites comme si on était à un putain de concert de Yannick Noah. Tenez-vous par la main, tenez-vous par la main. Tout le monde se tient la main. Oui, tout le monde. Everybody get down. Oui, c'est bien les jeunes. Oui, on se lève la main. Oui, 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 c'est bien, c'est bien. Les mains, je veux voir tes mains soutenir. Oui. Oh là. Ok, tout le monde est chaud, le refrain, vous en rappelez, ça fait quoi? Jumpy man, tu joues mal. J'entends rien. C'est ça. Il arrive à croire qu'il ramène l'Afrique avec lui, en fait. Non, 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 il ramène jusque le bruit. Il joue jusqu'à la fin de la nuit. Grand service aux gens, on lui s'ouvre pas le poli. Après une journée de boulot, où t'auras pas encore bossé. Tu peux pas empêcher tes mains de s'agiter en plus. Tu grouves autant qu'un formulaire assénique. Tu grouves autant qu'un chanteur chez Casmatique. À côté de toi, André Rieu, c'est comme un sonnet qui m'est joué pour nos murs. Oh, ça fait mal. Oh, mais tu joues mal. Oh, tu joues mal. Oh, mais tu joues mal. Ça fait mal. Oh, mais tu joues mal. Tu joues mal. Et en plus, tu joues mal. On habitait rue Jean Jaurès. En face du square Maurice Torres, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la. On a été en URSS l'hiver, et puis de l'Est c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances du gris, ça flash sur le blanc, devant la statue de Lénine. Pour nous c'était le grand frisson en 24. C'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche. Quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto, c'est vrai, pour acheter des parpaings à vous. La 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 la. On mangeait des Lenin's burgers. Fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose. On s'en servait pour des herbes. On gardait pas la contrebande. On gardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland. Le discernement en option. Mon père était tellement de gauche. Qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'international. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. La 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 la. Copains se foutaient de moi tout le temps. J'étais à l'école au premier rang. J'avais les lunettes. Rajeunons, alors attends, on va pas se moquer musicalement, chacun ses goûts. Néanmoins, force est de constater qu'il est moche. Et Zaz vrai, Zaz, on peut se moquer de Zaz? Zaz, elle est pas moche, mais elle est sale. Elle est très sale. Ah oui, j'ai rien entendu. C'est à cause de ses chiens. Stop, stop, stop. On n'est pas là pour dire du mal des autres. Si on était là pour dire du mal, on se moquerait de M. Pokora en colorant, mais ce n'est pas le cas. Je sais qu'il est là, MP. Respect à toi et tout ce que tu as apporté à la musique française. Tu es un petit peu le... C'est un petit peu le Michel Sardou moderne. Non, on parle pas de Michel Sardou. On parle pas de Michel. Michel Sardou. Ok, on dit rien. Bernard Lavilliers, on dit rien. Non. Alain Chamfort. Non. On dit rien. L'autre qui chantait, oh non. Pierre Bachelet, c'était bien ça. On dit rien. Au sud, c'était l'horizon.
la terre. Il y avait des champions. Au 14 juillet, on a des lampions. La chanson qui vient. Oui, la chanson qui vient pour vous dire qu'on a le droit de se foutre de la gueule de n'importe qui. Sauf. De Johnny Hallyday, merci madame. Merci. Si la France y a encore un peu debout grâce à toi. Oui. Oh ma chérie, si le général de Gaulle était là, putain, eh ben il danserait la carmagnole avec une flûte. Pourquoi pas? Dansons la carmagnole. Vive le son. Dansons la carmagnole. Vive le son du canon. Madame Veto avait promis. Pense au dernier RER. Il faut que tous ces gens puissent rentrer. RER à Maubeuge. Bien sûr. Mais oui. La célèbre chanson de Maître Gims. Le RER de Maubeuge. RER de Maubeuge. Autant pour moi. Cette chanson s'intitule « Le jour de la mort de Johnny ». En anglais ? Intro sifflet. Si. Vas-y, direct. Ah si. Si, ils aiment bien, vous aimez bien le sifflet, vous. Voilà. Bon. Merci. Intro sifflet. Merci. Non, ta gueule, c'est moi qui siffle. Allez, chante. Vas-y. Est-ce que t'as envie de siffler, tu montes ton groupe et tu siffles, ok ? Tu fais pas chier les autres qui sifflent. J'en refais à cause du monsieur. Il faut pas l'engrainer comme ça. Ta gueule, je siffle. C'est une intro. Tout le monde siffle. Tout le monde siffle. Ah, ils savent pas siffler dans le Nord. Attends. Ok, laisse tomber. En fait, il y a un truc que vous savez pas et qu'on sait, c'est que Johnny Hallyday, il est là parmi vous, mais il est caché. Ouais. Regardez autour de vous, vous allez le trouver. Il est déguisé en policier. Vigile. Il est là-bas. Mon Dieu, ils ont tué Johnny, non. Chante. Johnny ne mourra jamais. Chante. Johnny, il est comme Jean-Paul II. D'ailleurs, Johnny et Jean-Paul II, ça commence par un J. Ah, ah. Vous y voyez une coïncidence, moi j'y vois un signe de Jesus Christ. Quoi, c'est non. Dis quoi? Quoi, faut y aller? Ah ben je fais qu'est-ce que je veux, c'est moi qui ai le micro. D'ailleurs, je vais vous réciter un poème, vu que j'ai le temps. Ce poème s'intitule Petit escargot malicieux. Ainsi, vous pourrez le retrouver sur mon recueil de poèmes qui sortira comme par hasard juste avant Noël. Oh, ça tombe bien. Petit escargot malicieux, tu te promènes dans la prairie. Petit escargot malicieux, tu as bavé sur une salade. Et cette salade, je la mange, mais avant, je la lave. Car sinon, je mangerai ta bave. Ça ne sent pas. Et j'ai représenté la France plusieurs fois. Et rassure. Alors, on y va. Jean-Marc, ne t'assois pas parce que tu sais, ton cœur ne va pas suivre. Le jour de la mort de Johnny. In the name of the Lord. Intro sifflet. Tu étais pour nous. Ouais. Le dernier indien. Oh oui. Le Jean-Michel Jarre. Du rêve américain. À moi. Tu étais le blues. De Bruxelles à Memphis. L'ultime samouraï. De la route 66. Le jour où tu oublieras de vivre. J'oublierai d'être libre. Est-ce qu'il fera beau? Est-ce qu'il y aura des poteaux? Est-ce qu'il y aura des anges en perfecto à franges? Est-ce qu'on sera bronzé? Est-ce qu'on sera à Saint-Tropez? Est-ce qu'il y aura des larmes dans les yeux des chevaux? Ah, on sentira tous un petit peu belge. On sentira tous un petit peu triste. On sentira tous un petit peu suisse. Oh oui, oh oui. Le jour de la mort de Johnny. C'est triste. Je n'ai pas eu le temps d'attendre. Erreur fatale. J'aurais dû écouter. Oh.
Je distingue plus le bien du mal. Car j'étais sur la route de la Saint-Jean-Béa. Je n'ai pas vu le tour pour toi. Si c'est bon, bon, j'étais sur la route de la Saint-Jean-Béa. Si seulement j'appuie. Oh, oh, non. Mais t'es où? Pas là, pas là, pas là. Mais t'es où? Ok. Non, 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 attends. Quitte à chanter des merdes, on va chanter les nôtres. Les manouches. Introduction. Ce matin, il y a du soleil. On a sorti les vélos. Tour de France des beaux quartiers. Et poubelle des aristos. C'est chaud sur nos deux roues de fortune, en toutou des cols roulés. On vise le maillot jaune de la douce France d'à côté. Avec un peu de chance, même un con ramènera un demi-pantalon, une barbie avec un bras, un souvenir de vacances pour faire plaisir aux enfants, et des kilos de caviar à se mettre sous la dent. C'est vrai que partout où l'on va, la pauvreté ne repousse pas, mais l'on connaît la musique et pour le souvenir, c'est où les rois. Car on est des manouches de la pire espèce, nourris et logés au frais de la princesse. Des voleurs de poules, des graines de criminels qui égorgent aux ordures et violent en couleur. Oh, oh, oh. Thank you.